J'espère que vous êtes fiers de vous, monsieur. Ce 4 novembre dernier s'est tenu le moment qu'appréhendent la plupart des BA1 en ingénieur de gestion, le CFS ou test de connaissances fondamentales. Regardons la réaction des étudiants qui viennent de sortir d'examen et de découvrir pourquoi M. Alterman est appelé la terreur de Solvay. Parce qu'admettons-le, le CFS, on y va surtout pour les lettres grecques. Bon, du coup, tu t'appelles comment ? Morgan. Valentin. Charline. Moi, c'est Charles. C'est Ernest. Diego. Je m'appelle Alexia. Moussa. Loïc. Naïmi. Je m'appelle Silim. Mathéo. Je m'appelle Laura. Rémi. Emmanuel. Si tu connais pas l'interprétation du rotationnel, passe en professionnel. Comment s'est passé l'interro pour toi aujourd'hui ? Bof. On va pas se mentir. Bof. Plutôt super mal. Ouais, on espère, hein. Mieux que prévu. Franchement, j'avais vraiment peur, mais... Je pense que ça a été. Tu penses ? Je pense. Enfin, il y a des trucs que je savais pas répondre, quoi. Alors, c'était un peu compliqué, on n'avait pas prévu ça. Franchement, ça va, il y a une question que j'ai pas pu répondre totalement, mais je trouve que ça allait encore. Mais je l'ai trouvé vraiment compliqué, enfin, j'étudie depuis dimanche, et même les exercices, ils étaient d'un autre genre, je trouvais. Ok, ça a été pour toi aujourd'hui ou pas ? Bizarre, hein, bizarre un peu quand même. C'était un peu bizarre. En se préparant avec les CFS des années précédentes, c'était assez correct. Franchement, de tous les CFS que je me suis entraîné et tout, celui-là, il était trop simple, mais j'ai quand même foiré en vrai. Bizarre pourquoi ? Non, la démonstration W, là, je m'en souviendrai longtemps. Je m'en souviendrai très longtemps. Bah, je suis venu au talent. Au talent ? Ben, je pensais que c'était difficile, mais après, c'était un peu comme les exercices. C'était franchement accessible pour un élève qui était vraiment bien préparé depuis le début de l'année. Mais à titre personnel, je me suis quand même fait surprendre. Ok, je repars à la démonstration W, par exemple. La démonstration W, on l'oublie pas. On l'oublie vraiment pas. Je suis assez confiant, un peu trop, probablement. Un peu trop confiant ? T'as pas du tout étudié ? Enfin, si vite fait hier soir, mais sinon, non. C'est pas hier soir qu'on étudie pour une interro de physique, hein, Loïc ? C'était quoi le problème ? Manque de temps, et c'était pas ultra compliqué, mais je suis complètement teubée, donc... Non, franchement, moi je suis revenu en touriste, donc... Ok. Vraiment... Ok, donc toi t'es venu juste pour voir c'était comment ? Je m'attendais à rien, donc je vais pas être déçu, quoi. Je m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. En vrai, si c'est ce niveau-là, à l'examen de janvier et de juin, ça va. Ok, donc ça va. Ouais. On revient sur un truc positif. Ouais. Ouais. Bah, trop bien. Ta cote à mon examen, c'est comme la divergence du rotationnel. Ok, tu mises en combien là ? Un 12, je pense que le point bonus il est bon. Trop bien. Je pense avoir minimum 15, mais... Minimum 15 ? 15 points assurés déjà quoi, mais le reste je pense vraiment pas les avoir. Ok, 15 points sur 20 ? Sur 75. Ah ! Bah j'ai eu la numération, donc j'ai au moins 5 sur 70 je crois. 5 sur 70 ? Bah, je pense. Ouais, donc ça va, quoi. Ouais, c'est... On est bien. 6 sans avoir étudié, franchement, ça va. Ouais, ça va. Sans calculatrice ouais. Aïe, ça t'a bloqué ou pas de pas avoir la calculette ? Bah, j'avais des brouillons, du coup, j'ai commencé à faire les calculs à la main. Ok, donc c'est long, quoi. Peut-être la moyenne, mais pas au-dessus, tu vois. Genre, compliqué. Ok, on va pas mettre des 12, des 13 et tout. Non, c'est pas pour moi, ça. Ok, parfait. Je pense que je me suis préparé et que j'ai fait un moite-moite. Donc, à mon avis, j'aurais vraiment entre 8 et 12, un truc comme ça. Pour avoir été au TD hier, c'est déjà bien. Ouais, j'ai été au TD, ouais. Mais... T'as été au TD Solvay. Quelle heure ? J'ai été jusque 3h du mat. Ok, donc, raisonnable. Et je m'étais préparé à l'avance aussi et tout. Ok, donc c'est déjà ça. Je pense qu'on peut s'arrêter là, c'est en août qu'on se reverra. Cassé. Est-ce que t'as un mot à faire passer à Alterman ou pas ? Non, enfin, c'est la première fois que je le vois. Ah ! Mais monsieur ! La rentrée, c'était il y a un mois. J'ai l'impression que t'es un peu traumatisé. Alterman, il traumatise souvent. Il aurait pu penser à nous, quoi. Un peu moins d'heures de vidéo. C'est long à force. Alterman, un BG. Vraiment, un sale BG. J'espère que vous êtes fiers de vous, monsieur. Fier de vous dans quel sens? Genre, il vous a brisé le cœur, là? En plus, il est passé voir comment ça se passait. Je le regardais, j'étais... Merci beaucoup. Franchement, non. Je l'oublie, c'est pas grave. Je vais profiter de ma fin de semaine. C'est pas cool. C'est pas cool? Non, je pense pas. Je pense que... De toute façon, il se souvient de moi. Je lui fais signer mon syllabus. Ok. Et t'es fan? Un grand fan. Un grand fan d'Alterman. Tu lui as fait signer ton syllabus en mode « Je suis votre fan, est-ce que vous pouvez signer ?» Ouais, et il était perdu. Et s'il veut nous mettre des points bonus, il peut. Ouais, je dis la même. Il a pas déconné? Non. On peut s'apprendre qu'à nous-mêmes, en vrai. Ouais, on se comprend. Si tu connais pas ton alphabet grec, comment ça passait à l'effet? Et vous êtes assistant? Oui, ouais, en polytech et pour les ingés. Et pour les ingés? Oui. Vous trouvez que le niveau en polytech à Solvay, c'est un peu différent ou pas?
C'est difficilement comparable. Je ne préfère pas m'exprimer sur le sujet. Ok, pas de triche, rien du tout. Ou on l'a pas vu. On l'a pas vu. Ok, donc tant mieux pour eux s'ils ont essayé. Si on l'a pas vu, c'est qu'ils l'ont bien fait, donc c'est faire.